3, 2, 1, et c'est. Me servir un bon verre de soda, des pop-corn et m'installer dans le canapé. J'ai un canapé très profond, alors avec beaucoup de coussins. Donc je me cale, télécommande dans la main droite, le téléphone dans la gauche et je ne bouge plus. Mon fils. Très souvent avec une très bonne copine à moi, qui est aussi la petite copine de Boris, Aude, ou sinon avec des amis. Seul. Je supporte pas les gens qui commentent. Si je peux, c'est des matchs importants avec les copains, ouais. Chez moi, tranquille, seul. Ou chez moi, parce que je supporte pas les gens qui commentent. Je préfère recevoir à domicile, avec mes amis. Peluche à l'air. Décontracté. Si c'est match de foot, j'ai des équipes que je supporte. Si c'est match de Paris, je mets mon maillot de Paris. Si c'est match rugby, je vais pas mettre un maillot de Toulon en regardant le match. Qu'est-ce que je fais à la mi-temps? Je débrief un peu le match. Vu que je suis feignant, j'attends la fin du match pour aller aux toilettes. C'est un rapport avec ma famille, soit devant ma famille, soit avec ma famille. À domicile, ça veut dire chez soi, en terrain conquis. C'est à la maison, dans des conditions optimales. Moi, un petit peu tendu. Si c'est des matchs de mon club, je dirais quand même un peu stressé. Mais je râle un peu contre l'arbitre. Pas du tout de prise de tête. Plutôt stressé. Un peu coach parce qu'on l'est tous un peu. Moi, je suis plutôt coach. Supportateur. Moi, je dirais plus supporter. Supporter et commentateur. C'était les matchs du tournoi Destination en famille avec mes frères et mes parents. Mais quand j'ai vu mes potes avec qui j'évoluais depuis petit jouer leur premier match professionnel. Quand la France a battu la Nouvelle-Zélande en 99. Qui m'ont le plus marqué, je dirais la finale de Coupe du Monde quand même, 2011.